Merhaba arkadaşlar. Bugün yabancı dille hakkında konuşacak. Hello everybody. Today we will talk about a foreign language. In this number, I will receive a girl who come from to Morocco. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de La Parole Jeune. Dans ce numéro, nous parlerons de langues étrangères. Pour ce faire, nous irons à la rencontre d'une jeune marocaine qui parle couramment 5 langues, l'anglais, le français, l'arabe, le chinois et le coréen, et qui est également en apprentissage de 4 autres langues telles que l'espagnol, l'allemand, le russe et le turc. Alors, d'où lui vient sa passion pour les langues étrangères? Quelle opportunité cela représente de parler plusieurs langues? Quelles sont ses techniques et ses méthodes qu'elle applique au quotidien pour pouvoir s'en sortir dans l'apprentissage des langues? C'est ce que vous découvrirez en suivant ce numéro inédit de La Parole aux Jeunes. Alors, Miss Sarah, merci de nous recevoir dans le cadre de cette émission. La première question que nous avons pour vous, c'est d'où vous vient la passion pour les langues étrangères? Au Maroc, nous utilisons majoritairement deux langues, l'arabe et le français. Donc la majorité des Marocains déjà parlent français et arabe. Mais pour moi, je dirais que l'amour à apprendre des langues a commencé quand j'étais très jeune. Mes parents m'ont inscrit dans un cours d'anglais à un très jeune âge et j'apprenais la langue un peu plus vite que les autres. J'appréciais les cours et même regardais des dessins animés en anglais. Après cela, j'ai commencé à montrer un peu d'intérêt pour les langues coréennes et chinoises. Je dirais que l'amour d'apprendre les langues est venu de mon rêve de voyager à travers le monde. J'avais ce rêve depuis que j'étais très petite. Donc je voulais et je veux toujours apprendre autant de langues que possible. D'accord. Nous aimerions savoir quelle opportunité cela représente de parler plusieurs langues étrangères. La connaissance de différentes langues ouvre de nombreuses opportunités à toute personne, que ce soit professionnellement, socialement ou même personnellement. Par exemple, dans ma propre expérience, connaître l'anglais m'a aidé à trouver un emploi dans le pays où j'habitais auparavant. Aussi, déménager à un autre pays peut parfois être effrayant, mais quand je suis arrivée, les langues que je connaissais m'ont en fait sauvée. Je pouvais naviguer dans les villes, je pouvais demander aux gens en différentes langues ce que je voulais. J'ai aussi, ce qui est le plus important pour moi, c'est que j'ai pu me faire des amis de différents pays qui parlaient de différentes langues. Enfin, il est connu que les avantages de l'apprentissage de différentes langues sont nombreux. Pour en citer quelques-uns, ça stimule la puissance du cerveau, ça améliore la mémoire et puis ça améliore aussi la capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps, etc. Nous sommes carrément bluffés par votre talent et aussi par vos capacités. Nous aimerions également savoir comment vous vous prenez pour apprendre autant de langues et les parler. Pour être honnête, chaque personne a une façon différente d'apprendre. Pour moi, j'ai une mémoire visuelle, donc parler aux gens, regarder des films et continuer à pratiquer la façon dont j'apprends. Vraiment pratiquer et pratiquer avec des personnes, avec d'autres gens. Donc parfois, quand je parle une langue et que je sens que je me bloque, je ne me rappelle plus d'un mot que je veux utiliser, ben, ce que je fais, c'est que j'essaie de me rappeler d'une scène que j'ai vue dans un film ou d'une conversation que j'ai eue avec un ami. Et c'est comme ça que je me rappelle du mot. Et je fais quelque chose d'autre qui est un peu bizarre, mais parfois quand je suis seule à la maison et que je sens que j'ai un blocage dans l'une des langues que je parle, et ça m'arrive plein de fois, je commence juste à parler à voix haute dans cette langue. Quoi que je dise dans ma langue, je le dis simplement dans la langue dans laquelle je me sens bloquée. Et cela a aidé ma langue à ne pas se tordre à chaque fois que je veux parler n'importe quelle langue. Pour terminer, nous aimerions que vous lanciez un message à toutes ces personnes-là qui aimeraient bien apprendre des langues étrangères, mais qui butent parfois sur certains obstacles. Je dirais que le secret pour apprendre une nouvelle langue est de pratiquer et pratiquer et pratiquer encore. Je ne saurais trop insister sur le fait que la pratique est la clé de l'apprentissage. Beaucoup de gens tentent d'apprendre une nouvelle langue, mais ne saisissent jamais une opportunité de pratiquer avec les autres, étant trop timides ou effrayés qu'ils feront quelques erreurs. Mais en fait,
Faire des erreurs est humain et personne ne devrait être timide à ce sujet. Au contraire, vous devez être fier d'avoir appris autant et essayer d'apprendre encore plus. La dernière chose que je dirais est le principal moyen d'apprendre le parler dans une langue et de regarder des films, des émissions ou etc. quoi que ce soit dans cette. Salam alaikum. أنا اسمي سارة. I'm 20 years old and I'm from Morocco. شمدي بن تركيا يشيرم. أشتارت عيون جيجالدم. ويهويشوجونغوان. دانش وسينزاي ودجونغوان بوتايهاو. إنوي وزايشي سيندا يجيويان. سوي وميو نعمة توشي جيلين بين جونغوان. دانش كرتشمان. نانن هانزانغ نغا بيونن أونوجل. إتشاندروك. 합니다.